Les causes du drame restent à définir après la collision entre un bus scolaire et un train survenu à un passage à niveau jeudi soir. L'accident s'est produit à Millas, une commune rurale des Pyrénées-Orientales. Il a coûté la vie à au moins 4 collégiens et fait 20 blessés, dont 16 enfants. 7 d'entre eux restaient à identifier au lendemain des faits. Le car a été coupé en deux en raison de la violence du choc. La communication d'informations précises aux familles est rendue difficile par des questions relatives à l'identification des personnes décédées et de certaines personnes blessées. Le processus d'identification a commencé et il est extrêmement difficile. 11 blessés se trouvent dans un état d'urgence absolu, 9 en situation d'urgence relative. 2 enquêtes ont été ouvertes, l'une administrative, l'autre judiciaire pour homicide et blessures involontaires. Des prélèvements seront effectués sur la conductrice du car et sur le chauffeur du train pour vérifier leur alcoolémie et réaliser des analyses toxicologiques. Des témoins auraient déjà été entendus par la gendarmerie.